Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Fallout 4. Donc chers amis, j'ai plusieurs choses donc à vous dire. Les endroits comme ça, c'est le paradis des snipers. Oui, je sais, j'en tenais un dans les mains il y a quelques secondes, Nick. Là, t'es là. J'ai plusieurs choses à vous dire et donc je dois revenir, parce que certains m'en ont parlé, sur le fait que j'ai employé plusieurs fois le terme sexy, en l'occurrence vis-à-vis des mods que vous souhaiteriez me proposer. Alors pourquoi je parle de ces mods? Parce qu'ils représentent à peu près, je dirais, bellement, 40% des mods qu'il y a actuellement sur Nexus Mod Manager. Voilà déjà la principale raison. De deux, je sais que j'ai un public masculin, principalement. Attention, sans offense vis-à-vis des dames et des demoiselles qui nous regardent, qui me regardent en ce moment. Tout ça pour dire juste que, principalement, vu que les mods se situent en haut de la liste, donc de Nexus Mod Manager. Ah, j'aurais dû la voir. Ils sont là quelque part. Le ménage est fait. Voilà. Je me doute que vous en auriez proposé tôt ou tard. Je préfère, entre guillemets, vous prévenir. C'est moins frustrant si je vous préviens en vous disant je préfère un mode sexy à un nude mode ou à un mode un peu trop violent que ne rien dire et de me retrouver face à une ribambelle de liens sur du porn et de me faire limite avoir en ouvrant les liens en me disant putain c'est naze et en me disant putain j'aurais jamais dû ouvrir parce que j'ai ça dans la gueule maintenant. Voilà principalement le... Elle est dans le truc. Même pas. Bizarre. Ah si, il y a une porte là. Ben on va aller dedans, tiens. Donc voilà principalement la véritable raison pour laquelle j'en ai absolument parlé. Je tenais vraiment à mettre les choses au clair là-dessus, c'est tout. Ce n'est en rien... comment dire? Quelqu'un approche. Ils n'embêteront plus personne maintenant. Désolé. Ce n'est en rien Alors certains l'ont interprété comme une envie d'avoir un public un peu plus mature, un peu plus... Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment histoire de ne pas me bouffer de mauvaises surprises et de vous prévenir vous parce que, enfin, sur le principe, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Vous voyez le truc, chers amis. Donc voilà la raison. Hop. C'est Kenigou, putain, qui passe par là. On sait pas trop comment. Bon, c'est intéressant comme endroit parce que c'est intégralement vide. Cambridge. Donc je présume que c'est dans l'autre bâtiment que ça se passe. Alors. Il était gros ou c'est... C'est moi. Ok. Oh. Sympa. Alors je ne vais pas revenir sur le fait que j'ai modé le jeu pour plusieurs raisons. Parce que c'est un jeu Bethesda, hein, donc il est à modder impérativement. Bon, ceux qui ne le peuvent pas, je parle bien sûr sur ceux qui sont sur console, le pourront peut-être bientôt, donc via les nouvelles consoles, enfin les new gen, je crois qu'on les appelle comme ça maintenant. Bon bah tant mieux pour vous, chers amis. Hein. Ok, donc c'est là que j'étais tout à l'heure. Données. Au niveau, faites analyser la puce du chasseur. Les vieux canons. Retrouver Deacon près de la vieille autoroute. Ça peut être sympa, ça.
Ça peut être sympa. Où est-ce que c'est censé être? D'accord. Eh ben, on va se mettre au niveau du Drumline Diner. Et on va aller voir si on peut pas vendre quelque chose. Il me semble qu'on peut vendre des choses à cet endroit-là. Ça pourrait être intéressant de se faire un petit peu de capsules. Alors. Donc moi, c'est une petite session de 2 épisodes aujourd'hui. Hein. On n'est pas tourné hier, du coup j'en profite pour en tourner un deuxième aujourd'hui. Voilà, donc on peut vendre ici. Le magasin est ouvert. Qu'est-ce que ce sera? 4, oui, tranquille. Ce que vous avez là. Que de la récup, mais de qualité. Je veux bien te croire, Cersei. Alors. Merci. Hop. Je regarde juste, hein. Combien j'en ai avec toutes tes munitions? Le réacteur à fusion, ça ne m'intéresse pas. Hop. Voilà. Et voilà, merci. Il me reste encore 8 psychos. 240 capsules. Peut-être m'acheter un petit peu de... Donc j'ai 40 Radaway. Au niveau des Steam Packs, j'en ai que 32. Tiens, ben, voilà ce que je vais acheter. Puis du coup, le Radaway qui te reste. Merci la vieille. What? Je me rappelais pas de ce truc-là, c'est marrant. Ok, bon, il y avait des capsules gratuites là, j'ai raté ça. C'est pas grave. Tic. Bien joué. Joli tir. Il y en a une autre là-bas. Oh. C'était dans le caillou il y a une seconde. Pa. Falloir qu'il y ait un mode, chers amis, au moment où je mettrai ça. Ça me fasse Shadows of. Ouais, mais par contre, je risque de perdre mes droits d'auteur dessus. Donc, non, bah c'est mort. C'est dommage, parce que ça aurait été génial. C'est là-dedans qu'on avait trouvé l'armure, semble-t-il. Oh, de l'XP facile. Home sweet home. Host. Sure. Ça y est. Bah on l'a trouvé. Ouvre la porte. C'est con l'ami. 2 cocktails Molotov, je ne dirais pas non. Et quelques cartouches, je ne dis pas non non plus. Wow, ah oui j'avais oublié l'iBot. Je sais pas s'il est bugué ou n'importe quoi. Alors. J'ai vu une balle fusée. Cabot errant. Je ne sais pas du tout d'où ça tire. C'est assez gênant, j'admets. Synthétique ? Faut pas m'énerver. Statistiquement parlant, votre survie est improbable. Je subis des dégâts. Hop. Voilà. Il y avait donc des synthétiques. C'est marrant, on dirait un robot quand il marche. Ok, c'est parti.
Des fois qu'il se retourne contre nous. On y va. Yo. C'est vous, Deacon? Bon déguisement. Mon déguisement vous plaît? C'est une tenue de camouflage des terres désolées. Ouais. Dégage, pourriture. Il est à moi, stade ordure. Pas mal, hein? Et encore, vous avez de la veine que j'ai pas changé de visage. Changer de visage? Vous pouvez changer de visage? Tous les ans ou presque, je passe sur le billard. Nouveau visage, nouvelle morphologie, la totale. Intéressant. Comme ça, nos ennemis savent jamais à quoi je ressemble. Vous avez failli m'avoir. J'ai failli ne pas vous reconnaître. C'est le but. Bref, parlons du boulot. Le réseau du rail se sert que depuis peu d'Old North Church. Notre ancienne base était sous un Slocum's Joe. On était plutôt bien installés. Et puis, l'Institut nous a trouvés. Pas de bol. Votre base était sous une boutique de donuts? C'était bien mieux qu'on pourrait le croire. Enfin, avant qu'elle soit réduite en poussière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Notre QG était renforcé, défendable. On se croyait en sécurité. Et en moins de deux, les troupes de choc de l'Institut ont fait sauter les portes, j'imagine, et ont transformé les lieux en stands de tir. Les survivants n'ont pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. Donc on va récupérer un truc important qu'on a laissé sur place ce jour-là. Un truc important? Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Je vous le dirai quand on y sera. Je sais, c'est pas forcément marrant pour vous, mais cette compartimentation des infos nous a sauvé les miches plus d'une fois. On a un touriste dans le coin qui a des infos sur la base. Donc on va l'interroger avant d'y aller. Pour le moment, passe devant. Et donc je cherche des signaux ferroviaires, des symboles qu'on utilise pour se transmettre des messages. Oh, façon. On a aussi des contre-signaux, des boîtes aux lettres mortes, et même une poignée de main secrète. Elle a pas eu un grand succès, par contre. Bref, le touriste a dû nous baliser le chemin. D'accord, bon à savoir. Ah, voilà, un signal. La flèche au centre indique une direction. Notre touriste se trouve par ici. Continuons. Ok, donc j'ai pas besoin de toi en fait. Je vois un autre signal, là-bas. Ouais, c'est le campement avec toutes les goules. Vous trouvez quelque chose d'intéressant? Alors? Ah oui, là. On est bon. Il en reste plus. D'être mauvais, les mecs, hein. Remarque, c'est bien que j'utilise ce flingue. Et un autre. On doit. Désolé, les gars. C'est pas ce soir que vous nous boufferez. Jetons de métro. Je prends. Rien là-dedans. Oreiller confortable, je prends, j'en ai bien besoin dans mon lit. Alors. Vous voyez le plus au centre? Ça veut dire qu'il y a un allié tout près. Notre touriste. Je vous laisse mener la conversation. Quoi qu'il vous dise, répondez, le mien est en réparation. Faites-moi confiance. J'ai des problèmes d'érection, le mien est en réparation. Oh! Eh! Hey. Yo! Excusez-moi. Ouf! Vous avez un compteur Gégère? Est-ce que vous avez un foutu compteur Gégère? Mot de passe, le mien est en réparation. Et qui c'est ça? Le QG m'a dit de m'attendre à voir débarquer un agent. Pas deux! Désolé, je suis nouveau. Il m'apprend le métier. Bon, d'accord. Mais franchement, j'ai bien cru que j'allais y rester. Eh, je le sens pas, du coup. Il était vraiment temps que vous vous pointiez, putain. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. C'était censé être une mission de reconnaissance pénarde. Sauf que votre petit Slocum's Joe de merde grouille de ces enfoirés de synthétiques à tête chromée. Merde. L'entrée est fortifiée comme c'est pas permis. Ils ont collé des mines partout. Oh putain, j'aime pas les mines.
Synthétique à tête chromée. Qu'est-ce que vous entendez par synthétique à tête chromée? Les premiers modèles de synthétique. On dirait une coque de métal par-dessus un tas d'organes mécaniques. L'Institut les envoie un peu partout pour faire je sais pas quoi. D'accord. Et les mines, c'est quoi ce bordel? J'aime pas les mines. Ils ont un champ de mines. Ouais, ils y sont pas allés de main morte. Il y en a dans tous les coins. Oh putain. Je vous remercie pour Merci. Tout ce que vous avez fait. J'espère que ça vous aidera. Vraiment. Dès que le coin sera un peu plus sûr, je me Excusez-moi. Tire. Alors, si vous avez autre chose à me demander... Maillez-vous. Non, ça ira, je te remercie. Deacon ! What the fuck ? Ça va être vite fait. What? Je vais rendre service à tout le monde. Mais arrêtez de tirer, on le voit pas. Aïe, ah, lui il nous a vu par contre. Oh bah s'il vient nous voir, on est rendu. Hein. What? Maintenant, fini de rire. Reggie Blatria. Ok, je l'ai buté. Je crois que j'en ai jamais servi d'un sniper comme ça. Tu veux vraiment que ce soit la Hop dernière gueule que tu vois? Et la tête, alouette, gentille alouette, Deacon. Alouette. Il y a un vrai rayon de soleil dans cette journée morose. À votre avis, il dit la vérité? Tu peux t'intéresser à moi, Deacon? Sir Ricky est un vrai rayon de soleil dans cette journée morose. Ouais. À votre avis. Oh merde, il s'est pris une balle. C'est quoi ça? Tiens. Et qui voilà? Crois-moi, si t'avais mal à la jambe, t'aurais. Oh, on me pousse pas! Faites gaffe! Non! Ou à cache-cache. Putain! Je déteste quand ça arrive. Rat de cafard? Pourquoi tu me chies des rats de cafards ici, jeu? Remarque, un peu plus d'ennemis ne ferait pas mal, hein, un peu plus de patrouille par exemple. What? Et vous restez autour des flammes? Wow! Y'a plus d'ennemis! On se calme! Pardon. Ce Ricky est un vrai rayon de soleil dans cette journée morose. Tout à fait d'accord. À votre avis, il dit la vérité? Vous lui avez menti? En parlant de vérité, pourquoi vous avez menti à Ricky? Mon boulot, c'est de dégoter des infos, et c'est plus facile si personne sait qui je suis. J'ai menti, oui, ça m'arrive. Ouais, je le sens pas. J'ai la discussion, et moi, j'ai pu vous regarder faire. Ça, ouais. C'est du travail d'équipe. C'est un synthétique. Il a l'air il honnête. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de malhonnête. C'est ce que je me disais. Et la première règle chez nous, c'est de toujours suivre son instinct. Alors, si on croit sur parole, l'entrée est bourrée de mines, de synthétiques et sûrement de tout un tas d'autres trucs sympas. Donc, on va passer par le tunnel d'évacuation. Non. Attaque frontale. Je propose de passer par l'entrée. Champ de mine ou non. Quoi? Bon, si vous pensez qu'on peut s'en sortir, je suis avec vous. J'ai aucune raison de passer par le tunnel. Alors là, non, je suis désolé, j'ai vraiment aucune raison de passer par le tunnel. Ah, je pensais que j'aurais pu passer. Je suis désolé, je pense, chers amis, vous pensez comme moi. C'est de l'action, point barre. Hein. Merde.
contre, il y a un truc qui me fait chier, c'est cette barre de sprint. Franchement, je trouve ça stupide. Le sprint coûte beaucoup trop cher, on peut pas faire 50 mètres en sprint et s'arrêter, quoi. Enfin bon, je me plains, mais vous avez pas encore vu la barre de sprint de Command Dragon's Dogma. Il me semble qu'elle est pire, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'avais joué qu'au début du jeu, exprès, à l'époque. Et j'avais trouvé, en fait, moi c'était pas... Comment dire? J'ai joué au moment où le jeu était vidé de joueurs. Du coup... Oh putain. Ah mais... Tu peux te barrer? On va y aller franco, c'est pas grave. Salut les filles! Où elles sont mes petites gougoules? Elle a mes gougous, elles sont où? Non, pas par le tunnel d'évacuation. Voilà. À la maison. Le pont déjà, le pont. C'était de ce côté-là. Ça m'étonne de mettre autant... Ah si, parce que j'étais là-haut et là, ben voilà. J'avais complètement chié. Donc j'ai un légendaire à aller choper là-bas. Il y avait un nom, donc techniquement il y avait une histoire avec ce mec-là. Eux ils sont morts. C'est drôle. Il y a un Nuka-Cola qui est... Oh! Je crois qu'on n'est pas seul. C'est clairement fait pour, chers amis. Hein. Soyons honnêtes. Nigou, tu vas pas te faire bouffer par un rat de cafard. Tant qu'on s'en sort. Alors, il était par là. Le voilà. J'aime pas gâcher les munitions. Laser Gatling. Débarrasser un peu. Hey. Canigou, j'aimerais que tu tiennes... Alors attendez, qu'est-ce qu'on a comme truc de merde sur nous? Hop. Voilà, déjà ça. Ça nous fait de l'espace. On a enfin trouvé une laser Gatling, chers amis. Si ça, c'est pas génial. Bon, on a dit quoi? Approche frontale. What? Le behemoth avait laissé la tourelle en vie? What the fuck? Enfin bon, c'est pas grave. Ça m'étonne. Alors, j'aurais raté un... Ça devrait pas être lent. Mais je l'ai pas déjà vidé cet endroit. Oula, par contre si j'ai pas de grenade de mise, ça va pas le faire. C'est ce qu'ils disent tous. Kenigou, la forme? On n'est pas obligé de faire ça. Oui. Mais c'est bien plus amusant. Ah, c'est pas le fameux bâtiment avec l'ascenseur que j'ai jamais trouvé la clé? Oh que si. Ça me rappelle quelque chose, cette histoire. C'est bête, on commençait à devenir copains. Ouais, alors à l'instant je vais éternuer un coup.
Voilà, re, chers amis. Ouah, cette violence. Ouais, c'est ça. C'est le fameux bâtiment avec l'ascenseur en dessous, mais je n'avais jamais pu trouver comment y aller. Il fallait avoir d'icônes. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un. Non, ces pourris de l'Institut ont coupé l'ascenseur. On s'est fait chier à tous les tuer et on va devoir passer par derrière quand même. L'avantage, c'est qu'on pourra ressortir facilement. Enfin, vous y croyez, vous ? Moi, pas vraiment. Merde. Moi, j'y croyais, moi. Putain, j'ai fait tout ça pour rien ? Je croyais que Deacon allait pouvoir nous pirater le machin. En fait, non, c'est un branleur. Comme tous les autres. What the fuck? Bon, bah cool. On a un point à mettre. J'ai pas compris pourquoi, ni comment, mais on a un point à mettre. Je le mettrais bien dans l'armurier, moi, personnellement. Et je pense que sur les prochaines missions, on ira chercher une armure. Eh ouais. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Moi, j'aime bien les armures assistées, au final. Et je cours. J'évite toutes les mines. Comme ça, je ne me fais pas eu. C'est bon, j'ai trouvé. Genre, j'ai loupé une lumière comme ça, quoi, dans un tunnel. C'est pas grave, on y va. L'entrée de secours est plus sûre, mais attendez-vous à croiser des synthétiques de première et deuxième génération. Bon, il est temps que vous sachiez ce qu'on fait ici. On vient récupérer un prototype mis au point par notre brave docteur Carrington. D'accord. Maître de piratage. Bartertone. Non. Counterman. Non. Sovercrowd. Non. Alors, crack. Non. Hop, pourquoi pas. Je suis quand même dans la merde, hein. S'il n'y a pas plus de choses, je suis dans la merde. Alors. Ça pue du cul, hein. Comme dirait l'autre. C'est un échec. Alors, un instant, on m'appelle. Heureux, chers amis, excusez-moi. Hop, alors. Résidentiel. Ah ah. Accompanied. Engineering. Voilà, on l'a eu. Commande de la porte de sécurité. Ouvre la porte. Alors. Quelqu'un a laissé un signal ferroviaire ici. Celui-ci signifie danger. Ouais, on sait, mon pauvre Maccabé. On sait. C'était Roger! Le mec, il a eu le temps de laisser un signal de danger. Mes capteurs détectent une présence ennemie. Hop, t'as rien détecté du tout, mon pote. Où est-ce qu'il est? Étrange. Mes capteurs doivent avoir un souci. Je suis pas fan de ce qui a plus de pattes que de neurones.
C'est marrant ça. Il y a un deuxième synthétique qui parle. Maven. Attendez. Vous voyez la boîte au centre de ce signal? Ça veut dire qu'il y a une cachette pas loin. D'accord. Maven a dû réussir à planquer un truc avant de se faire. Enfin, vous savez. Bref, fouillez dans le coin. Oh, génial. J'aime bien cette espèce d'initiation. Tom Labricole a réussi à activer les défenses. Il y a quelqu'un. Elles ont à peine ralenti les chasseurs, mais ça a sans doute sauvé des vies. Terminal utilisé. C'est que ça. Ok, les tourelles sont désactivées. Commande des projecteurs, on va les mettre dans le noir. Ne nous voit plus. La sensibilité de mes capteurs doit clairement être réglée. Contact détecté. Une bonne manière de faire bouillonner mon liquide. Ok, de deux. Merde. Bonjour. Hop, voilà. Bah merde. Il est tombé comme une merde, littéralement. Il a vraiment l'air aussi naze que ses modèles. Non, non, pas quand même. Faut pas exagérer. Presque aussi naze, c'est pas pareil. Quelques cellules à fusion. Oh merde. Sly et Nicolas, dommage. Désolé l'ami. On te vengera. C'est con parce que je les aime bien les synthétiques. Hein. Ils ont une certaine gueule, je trouve. L'institut utilise les synthétiques comme des outils et les balance quand ils servent plus. Ah Nick, j'aurais peut-être pas dû t'emmener ici, je suis désolé. Sincèrement. Pas de symbole autour? Apparemment non. Les capteurs détectent une présence ennemie. Détecté. Curieux. C'était une erreur. Aucun ennemi détecté. C'était une erreur. Oui. Encore un terminal actif. On n'a pas eu le temps de déclencher les défenses plus loin. Mettez-les donc en marche. Ça fera une belle surprise à nos amis. On va prendre ça. Ce n'est rien. Mes capteurs ont peut-être besoin d'être calibrés. Ok. Commande des tourelles. Activé. Engagé. Capteur principal dans un état critique. Ciao, mon pote. À l'avenir, évitez de nous sous-estimer. Ok. On a eu ce qu'il fallait. Oh, le tas de métal en bas. C'est génial. J'adore. J'adore bousiller du synthétique. Ok, la suite. Si seulement on pouvait leur faire entendre raison à cela. Alors. Ok, terminal déverrouillé novice. Saves. Booty. Meats. On a vraiment rien trouvé sur ce coup-là. Hein. Ici, c'est bon. Ici aussi. Là aussi. Ça aussi. Non, non.
On m'envoie des messages, c'est chiant. Non. Non plus. Excusez-moi. Oh là là. C'est violent d'être malade comme moi. Hein. Essai réinitialisé. Bunch. Ouais. Ah bah c'était Bunch. Parfait. Commande de la porte de sécurité. C'est parti, ouvre la porte et bon. Ok. Et sans transpirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme adios, si c'était possible. Immersion 1. Je vais sans doute vous surprendre, mais les Slocums Joe n'ont pas tous un réseau de galeries dans leur sous-sol. On entre dans un ancien labo de recherche secret de la DIA. Oh. Un endroit qui n'a jamais existé officiellement. On l'appelle le Standard. Le prototype est sous clé au cœur du complexe. Génial. Une base secrète de l'État américain. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Il valait mieux fuir, en effet. Comment ça, il valait mieux fuir, en effet? Tu vas me attendez, il y a de la bouffe. Fabriquer. Arrêtons-nous pour faire de la bouffe dans une base ennemie. Filet de darillon, mouche bouffie grillée. Omelette d'œuf de rat scorpion, rat cafard grillé. Mais c'est excellent tout ça. Hop les steak de renne fangeux. Et voilà qui est excellent. Bon, on a de la bouffe au menu ce soir. C'est bien. C'est mieux que du super mutant. La bouffe au menu c'est un petit peu naze par contre. Hein. Alors là par contre on devrait pouvoir trouver. Parfait. Un réacteur à fusion. Ça aurait été cool qu'au moment où je l'enlève en fait il n'y ait plus rien dans le. Plus de lumière. Ça me refuserait par contre du coup tous les hacks. Mais ça aurait été intéressant je trouve. Alors. Yo. C'est con. Bonjour. Oh, manuel d'opération secrète de l'US Army. Oh ouais. Plus fidélité qu'on était. Ah c'est cool ça. Terminal central. Allons-y. Oh, il fait le tour et tout. Génial. Presented. Decisions. Marvelous. Defcon. Encourage. Fin d'alerte encourage. Frappe confirmée. Arrêt, arrêt, arrêt. D'accord. Je vois. Alors, terminal expert. Là par contre ça risque d'être un petit peu plus intéressant. Ramblings, resources, marauders. Alors peut-être arrêter les conneries. Hop, mot supprimé. Mot supprimé. Mot supprimé, mot supprimé. Mot supprimé. Alors. Allons-nous en trouver au moins un autre pour redonner notre petite chance? Même pas. Mince alors. On n'a pas de quoi reprendre. C'est saoulant. C'est dommage. C'est vexant. Verrouillage. On a 10 secondes avant de reprendre. J'ai tenté, hein. J'avais voulu le tenter un petit peu, chers amis. Bon, tant pis. Hein. Échec. Magazine d'économie brûlé. Ah oui, c'est déjà la crise à l'époque. On y retourne.
Including Bloodhead, The Throned. Ok. Oh, je sens comment trouver des choses dans ce truc là. Je sais pas pourquoi. Je le sens mal. Et c'est réinitialisé. Bah, Historis, et voilà. Celui-là. Commande de rayon optique. Oh, désactivé. Rayon optique. Bizarre, j'aurais peut-être dû tenter la porte avant. Les water. Il y a quelqu'un. J'attaque la cible humaine. Arrêt en cours. Ok, je suis coincé contre quoi? Je ne sais pas quoi. Je prends le téléphone, écran. Permettez. Mes capteurs doivent avoir un souci. Vous devez ressentir une vive terreur. Vous êtes supposé ressentir une vive terreur. Démerdez-vous. Bon, bon, bon. Vous n'êtes pas obligé de mourir aujourd'hui, hein. Il y avait forcément un mec dans les chiottes. Porte déverrouillée avancée. Pourquoi pas? C'est bon. Si on voulait que ça reste fermé, ils auraient dû investir dans un meilleur verrou. Oui, c'est ce que tu me dis à chaque fois. Ciblage. Il semblerait que ma cible ait disparu. Oui, tu allais juste de l'autre côté du mur en fait. Bon, bon, bon. Hop, est-ce qu'il reste un truc de steampack ici? Non. Je ne détecte plus aucune présence ennemie. Non. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous trouverez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplate.com qui m'a gracieusement offert le jeu, ainsi que Star Wars, donc aussi Mad Max, et aussi donc prochainement donc Agatha Christie, The ABC Murders, que j'ai déjà pu tester, j'ai déjà fait même mon intro, que vous allez j'espère apprécier. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens, et hop !